Exercice sur les anneaux et les corps. Soit la matrice MAB telle que AB appartenant à R carré et E l'ensemble des matrices AB montrant que E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. Alors la première des choses à montrer c'est que E plus est un groupe commutatif. Pour montrer que E plus est un groupe commutatif, on montre que E plus est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menu de plus, car E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 et que cet ensemble menu de plus, c'est un groupe commutatif. Alors, la première des choses à démontrer, pour un sous-groupe, on montre que E est différent de l'ensemble vide. Alors, on a la matrice M0, 0 égale 0, 0, 0, 0. Et d'après la définition de E, M00 appartient à E. Donc, la matrice nulle appartient à E par suite. E est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, soit MAB et MCD, deux matrices de E. On va montrer que MAB plus la symétrique de MCD, c'est-à-dire moins MCD appartient à E carré. MAB plus moins MCD, notre MCD, alors moins, ça donne moins C plus D, D moins D et moins C. La somme, on va l'écrire sous forme X plus Y, Y moins Y, X. Alors, le Y c'est B moins D. B moins D. Le X c'est A moins C. A moins C. On a ici moins Y, c'est-à-dire moins B plus D. Voilà, moins B plus D. On va factoriser par moins 1, ça va donner moins B moins D. Alors ici, on doit avoir X plus Y, c'est-à-dire A moins C plus B moins D. A moins C. Moins C plus B moins D. B moins D le Y. Ainsi, MAB plus moins MCD appartient à E. Donc, d'après les deux étoiles, E plus est un sous-groupe de M de R plus. Or, M de R plus est un groupe commutatif. Donc, E plus est un groupe commutatif. Montrons que E est stable dans
M de R multiplié, soit MAB MCD appartenant à E carré, montrant que MAB MCD appartient à E. Calcul facile, on trouve que MAB fois MCD est égal à MAC moins BD, AD plus BC plus BD. Et cette matrice, elle appartient à E. Donc, MAB multiplié par MCD appartient à E. Ainsi, E est stable dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menu de la multiplication. Or, multiplié et associative dans M de R multiplié. Donc, multiplié et associative dans E menu de la multiplication. Ainsi, la stabilité de E dans M de R multiplié nous a aidé à transporter l'associativité de M de R multiplié à E multiplié. On sait que M de R plus multiplié est un anneau unitaire d'unité 1, 0, 0, 1. Ainsi, multiplié est distributif par rapport à l'addition dans M de R. Or, plus et multiplié sont des lois de composition interne dans E. Plus, car E plus est un groupe. La multiplication, car E est stable dans M de R. Et puisque E est inclus dans M de R, alors la multiplication est distributive par rapport à plus dans E. On a la matrice unité est égale à M10. M10, elle appartient à E. Donc la matrice unité appartient à E. Il ne reste à montrer que X est commutative dans E. On va utiliser cette égalité. Alors d'après 1, ici A et le B, C, D. Donc égal à M. On a ici AC. AC, c'est-à-dire XX prime, moins BD. BD, c'est-à-dire Y, Y prime. AD. Alors AD, X, Y prime. Plus BC. BC, Y, X prime. Plus BD. BD, c'est Y, Y prime. M x prime y prime M x y égale x prime x moins y prime y x prime y plus y prime x plus y prime y. Et si de
ces deux matrices sont égaux. Donc, la multiplication est... On a montré que E plus est un groupe commutatif et que la multiplication est associative dans E multiplié. Et multiplié est distributive par rapport à plus dans E. Donc, d'après A et B et C, E plus multiplié est un anneau. Et on a montré que l'unité appartient à E. Donc, l'anneau est unitaire. Et on a montré que la multiplication est commutative. Donc, l'anneau est unitaire commutative. D'après A, B, C, D, E, E plus multiplié est un anneau unitaire commutative.